Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo ménage, motivation ménage, dans laquelle nous allons faire le ménage de la cuisine. Ménage d'une cuisine laissée dans un état bordélique. Une cuisine assez sale. En fait, cette cuisine est dans cet état parce qu'à la veille, on a fait le bazar. On a déposé les choses partout et partout. Et le soir, j'avais la flemme. Et puis, j'étais très fatiguée. Du coup, j'ai tout laissé pour le faire le matin. Vu que ma cuisine est très petite, je dois tout débarrasser, sortir la vaisselle sale et laver à l'extérieur. Quand je débarrasse ainsi, c'est plus facile pour moi de nettoyer la cuisine, de balayer, de laver, avant d'aller laver les assiettes sales à l'extérieur et revenir juste pour ranger. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par nettoyer l'évier, le plan de travail et la cuisinière. Pour ce nettoyage, j'utilise de l'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle à l'intérieur et un de mes chiffons microfibre. Une fois mes surfaces nettoyées, je dois reculer la cuisinière pour bien balayer à l'arrière. Je vais enlever les saletés qui sont là. C'est vrai que derrière, c'est pas trop sale. La partie la plus sale, c'est sous l'évier. Je dois également balayer avec mon balai traditionnel. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux petites filles, et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les jeunes mamans et tout le monde afin de les motiver dans leur ménage, dans leur vie de maman. Donc sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de ménage, des vidéos d'organisation de vie de maman, des vidéos de décoration. Et les petites vidéos de cuisine, vu que la vie de maman est faite de cela.
J'ai terminé de laver les assiettes à l'extérieur, c'est le moment de ranger. Je viens donc monter mon nouveau panier que je trouve plus pratique car ça prend plusieurs assiettes et ça ne prend pas beaucoup d'espace comparé à mon panier qui était posé sur mon plan de travail avec une cuisine si petite. Je n'avais pas assez d'espace sur le plan de travail. Dans une cuisine aussi petite comme la mienne, il est important de chercher au quotidien des astuces pour gagner un peu en place. Bien rangé, bien organisé, quand une pièce est petite, au moindre petit désordre, c'est visible et tout devient moche. Je vais nettoyer directement tout ce que j'ai lavé et ranger, mettre chaque chose à sa place. Il est important de le faire au quotidien. Après avoir rangé la vaisselle, je vais directement charger mes bouteilles d'eau. Vu que nous utilisons un filtre à eau, il est important pour nous de laver les bouteilles et de les charger, car on peut se retrouver le filtre vide et aucune bouteille remplie d'eau. Du coup, le temps de remplir le filtre et laisser filtrer, vu que ça prend du temps, quelqu'un peut mourir de soif. Quand je termine mon ménage, je remplis toujours mes bouteilles d'eau. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.